Abdelmadjid Tebboune à New York. L'Algérie de plus en plus influente à l'ONU. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, s'est retrouvé au cœur de l'action à New York alors qu'il participait aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. L'édition du mardi 19 septembre 2023 vous tient informé des dernières nouvelles. En effet, sa visite aux États-Unis d'Amérique, samedi dernier, s'est vue marquée par une intense activité. Selon les informations les plus récentes, le président Abdelmadjid Tebboune a été parmi les membres participant à cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. En effet, le chef de l'État algérien a eu l'occasion de rencontrer plusieurs dirigeants internationaux à l'issue de sa visite. Lors de ces réunions, les homologues ont entamé des pourparlers, visant ainsi à renforcer les liens diplomatiques entre l'Algérie et d'autres nations. Tebboune a saisi cette opportunité pour mettre en avant les efforts de son gouvernement en vue de renforcer la position du pays à l'échelle mondiale. À l'issue de ces rencontres entre les dignitaires, 12 sujets ont été abordés. Et ce, afin d'évaluer l'ampleur des défis auxquels se voient confrontés les dirigeants des États membres de l'ONU. Cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale a porté sur diverses questions cruciales liées aux défis mondiaux actuels, tels que la paix, le progrès et la prospérité. La 78e Assemblée générale de l'ONU, l'Algérie, une voix de sagesse incarnée par Tebboune à New York. En participant à cette assemblée, le président de la République a exposé la position de l'Algérie sur plusieurs questions, considérée à cet effet comme une voix de la sagesse, cherchant à être écouté et pris en considération avec un intérêt particulier. Grâce à ses suggestions, il se présente comme un acteur neutre, doté d'une vision objective en tant que membre actif et influent au sein du mouvement des non-alignés, ainsi qu'au sein du continent africain et des pays du Sud. En ce qui concerne la paix et la sécurité internationale, l'Algérie promeut la prospérité par le biais de la diplomatie et de l'engagement, évitant le recours à des entités extérieures. À cet égard, il convient de rappeler la feuille de route de Tebboune pour résoudre la crise en Libye, en Syrie et au Niger. Même si elle n'a pas été prise en considération, l'Algérie joue également un rôle clé dans le conflit au Sahara occidental et dans la question palestinienne. Elle incarne ainsi une voix puissante qui réitère la situation des deux peuples encore sous pression coloniale. À travers ses positions fermes et réfléchies, l'Algérie a démontré pendant plus de 60 ans son importance au sein des Nations Unies et sa nécessité pour garantir la paix et la stabilité mondiale. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.